Regarde ce que les pirates ont fait du monde. Une terre d'angoisse et de douleur, hantée par le mal. Un enfer, parcouru par des monstres sans pitié. Depuis qu'ils t'ont arrêté, plus rien ne les retient. Ils dépouillent notre peuple et le réduisent en esclavage. Les robots rôdent en quête d'innocents à capturer. Le chaos est tel que le cœur du monde a fini par exploser. Les mille looms d'énergie qui le forment se sont dispersés. Nous affaiblissons. Bientôt, il sera trop tard. Échappe-toi, Rayman. Tu es notre dernier espoir. L'écumeur, vaisseau prison des pirates, sous les ordres de l'amiral Barbe Tranchante. Esclaves à bord, 19 000. Réveille-toi, Rayman. Je t'envoie de l'aide. La porte avec ton poing. Salut Rayman, content que tu te sois échappé. Moi, c'est Murphy, et je suis là pour te guider. Tu vois la dalle juste à côté de nous? C'est une pierre magique qui vit dans les pentes. Si tu as besoin d'aide, passe près d'une dalle. J'apparaîtrai aussitôt dans ton esprit. Si tu as un doute au sujet d'un de mes conseils, immobilise-toi près de la dalle et laisse la touche carrée. Je viendrai en personne te redonner l'explication. Oh.
Paris. Pas de panique, les enfants. Je vais ramener votre père. D'abord, il faut que je trouve Lily. Elle aime bien rêver par ici. Vous ne l'avez pas vue? Quoi? Les méchants pirates, on est là-bas. Je dois aller la libérer. Le roi. Oyo, c'est moi. 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 Non, moi, non, moi. Oh, stop. Je dois retrouver Globox et Ellie. Vous savez où ils sont? Vraiment terrible. Les pirates ont jeté Lee et Globox en prison. Mais ne t'inquiète pas, rien n'est perdu. Car grâce à l'énergie des 5 looms que tu as ramassés, nous pouvons t'envoyer sur le front là où sont les pirates. Sur place, cherche le cercle des petits êtres. Nous t'y attendrons avec plein de nouvelles fraîches. Au fait, avant d'être capturé, Lee a laissé un loons d'argent. Tu vas désormais pouvoir tirer avec ton poing. Maintenant, prépare-toi pour le grand voyage. Devant nous, garde la touche L2 enfoncée pour rester face à ta cible. Tu pourras lui tirer dessus en tournant autour. Lise l'épouvantail avec la touche L2 et tire-lui dessus avec la touche carrée en tournant autour. Super, Rayman! Tu es un vrai tireur d'élite. À présent, va retrouver les petits êtres au cercle de pierre, de l'autre côté du pont.
Rayman. Tu as trouvé notre cercle. Tu es très doué. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car les nouvelles sont plutôt mauvaises. Les pirates ont réussi à s'emparer de Globox et de Lee. J'ignore où ils ont emmené Globox, mais je sais que Lee est enfermé tout près d'ici. Dans la clairière de la fée, juste de l'autre côté du pont. Tu trouveras l'entrée de la clairière près de la cascade. Dépêche-toi. Thank you.
faut que je le retrouve et que je chasse les pirates. Mais pour cela, j'ai besoin de mes pouvoirs. Je suis trop faible pour te rendre toute ta puissance. Les pirates ont brisé le cœur du monde en 1000 looms. Et l'énergie est devenue très difficile à réunir. Mais il y a peut-être une autre solution. As-tu entendu parler de Polycus? Il est l'esprit du monde. Sa puissance est gigantesque. Il pourrait t'aider à battre les pirates. Malheureusement, il s'est retiré il y a bien longtemps. Mais une légende raconte. Tu vois ces courants d'air, Rayman? Active l'hélico dedans et tu t'envoleras. Écoute-moi, les pirates ont capturé plein de petits êtres. Libère-les.
chaque fois que tu en délivreras un, il t'amènera à un cercle petits êtres. De ce cercle, tu pourras retourner dans un monde que tu as déjà visité en passant par une porte magique en forme de spirale. Merci Clark. Sans toi, les pirates me capturaient une nouvelle fois. De rien, petit gars. Casser du pirate, c'est bon pour mes articulations. Viens là, toi. Faut que je te cause.